Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jérôme Énergéticien. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. Alors, comme nous pouvons voir, il y aura un voyage entre deux personnes qui pour moi, ces deux personnes qui se connaissent, deux personnes qui veulent commencer à avancer. Ces personnes-là souhaitent, on va dire, concrétiser leur relation. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas forcément facile, dans certains cas, de prévoir justement des rendez-vous. Mais un déplacement se fera pour que les personnes se rencontrent justement dans un lieu neutre, un lieu où justement, voilà, où ils connaissent personne, dans un lieu qui leur permettra justement de mieux se dévoiler. Et il se peut justement que lors de cette rencontre, cette première rencontre réelle, il se peut que ce soit le coup de foudre. Alors ensuite, nous allons voir avec les cartes que je vous montrerai. Je vais vous montrer le dos. Voilà, c'est le dos et c'est les cartes du Lenormand. Alors, comme vous pouvez voir avec le Lenormand, pour moi, ça parle de rapprochement, de tranquillité entre deux personnes. Le fait que les deux personnes, justement, vont se voir de façon réelle, ça va casser une barrière entre les deux personnes, étant donné qu'ils se seront enfin vus en réel et du coup il y aura comment dire il y aura plus de liberté dans leur façon de s'exprimer, ça leur permettra de se dévoiler, plus voilà de s'apprécier, davantage de s'ouvrir à l'autre, l'un à l'autre. Ce sera un renouveau pour eux, étant donné que la relation le on va dire voilà le contact qu'ils auront l'un et l'autre, ce sera la première fois qu'ils vont connaître justement cette sensation, j'ai envie de dire. Alors ensuite, nous allons voir pour finir avec l'oracle. Voilà, je vais vous montrer l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Alors avec l'oracle coup de cœur, nous pouvons voir qu'à nouveau, pareil que pour les énergies du week-end, pour ceux qui n'ont pas vu les énergies du week-end, je les invite à aller les voir sur la chaîne. Ça parle à nouveau de couper les liens je vais vous dire, avec le passé. Enfin, ou même avec ce qui deviendra votre passé, c'est-à-dire une relation actuelle qui ne vous convient plus. Il est temps justement de faire le nécessaire pour que cette relation s'arrête, mais de façon, j'ai envie de dire, de façon naturelle, de façon la plus simple possible. Il est temps, voilà, de vous reposer dans le sens où il est temps de ne plus vous prendre la tête dans cette relation. Je parle encore de relation et de lâcher prise par rapport à ça, de relativiser, de vous dire que de toute façon, si ça se passe comme ça actuellement, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend par la suite. Ne vous promenez pas la tête pour rien avec
avec la personne avec qui vous êtes actuellement, si vous faites partie des personnes qui sont dans une relation qui ne vous convient plus. Alors voilà les énergies justement pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Je vous souhaite une excellente semaine et n'hésitez pas à les voir sur la chaîne. Alors, je vais mettre au fur et à mesure les énergies pour chaque signe de ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.